La semaine de la pop philosophie saison 15 présente Liberté, équité, solidarité. Une approche philosophique, sociologique, artistique, littéraire et pop à la fois. Du libre arbitre à l'éloge de l'inégalité, de la liberté du saumon au nouveau visage de la censure. Bonsoir. Merci Jacques Serrano, c'est un peu de vous accueillir. Merci au théâtre, c'est très beau lieu, aux couleurs de la devise de blanc rouge, donc la liberté, la solidarité. Merci Jacques. Cette semaine sur les libertés, équité, solidarité, c'est vrai que j'étais soucieux auprès de Jacques Serrano, de ne pas oublier justement la solidarité. Parce que les libertés, équité, on a certainement beaucoup de choses à dire et on a beaucoup parlé, mais la solidarité, me semble-t-il, est souvent la grande oubliée. Et c'est un peu d'ailleurs l'étonnement dont je voudrais partir, c'est que cette solidarité, elle est la grande oubliée de nos valeurs, de nos principes, alors même, là est l'étonnement, qu'en réalité, quand on y regarde un petit peu de près, elle est quand même au cœur de notre vie collective. Et je dirais même qu'elle a trouvé à une sorte de matérialisation peut-être plus supérieure quand on regarde au transfert de richesses qui s'opère dans nos sociétés démocratiques, et en particulier en France. C'est peut-être de se dire que, bon, après tout, la fraternité est une douce utopie, on n'est quand même pas tous frères les uns des autres. La liberté et l'égalité sont des principes politiques, juridiques, qui ont certainement des matérialisations, mais qui ont une partie abstraite, et dont on peut se dire que leur réalisation n'est jamais complète. Si bon, l'école, la justice, tout ça sont des matérialisations, certainement, de la liberté et de l'égalité, mais la solidarité, en réalité, c'est sans doute le principe le plus concret, le plus matérialisé de notre vie collective. À travers l'impôt, à travers la redistribution, à travers la sécurité sociale, à travers les retraites, souvenez-vous de la mobilisation des Français l'année dernière et cette année autour de la défense de ce régime par répartition, eh bien, c'est quand même le signe d'un attachement très très fort à cette solidarité nationale. Et je dirais aussi que voilà, quand on est face à des situations comme la guerre en Ukraine ou la guerre au Proche-Orient aujourd'hui, les citoyens ont à cœur aussi d'afficher leur solidarité avec les victimes de massacres, de guerres, de différents camps ou de plusieurs camps, de tous les camps d'ailleurs. Donc la solidarité est une valeur qui nous tient à cœur, mais elle est une des valeurs, je dirais, les plus concrètes. Elle n'est pas seulement la force qui nous conduit à, ou l'attachement qui nous conduit à cotiser à Médecins sans frontières, à participer à Solidays pour le SIDA, à toute une série d'engagements au bénéfice des défavorisés, des gens dont besoin. Donc nous sommes, en tant que citoyens de sociétés qui redistribuent leur production de richesse, quasiment la moitié de la production de la richesse est toujours plus redistribuée, nous sommes des citoyens solidaires. Et pourtant, c'est là l'étonnement, et pourtant, cette solidarité qui est une matérialisation très forte, j'ai le sentiment qu'elle ne fait l'objet d'aucune justification. Elle est devenue tellement évidente qu'elle ne fait sans peut-être plus l'objet d'un discours de justification, d'explication. C'est un acquis matériel, mais on a peut-être perdu par la réalisation matérielle le discours qui a permis cette réalisation et qui peut-être permettra demain de défendre ces acquis s'ils sont menacés. C'est justement là-dessus que je voudrais revenir. Alors même que la solidarité est le ciment de nos sociétés, elle me semble privée aujourd'hui de discours, privée de pensée,
prix élevé de philosophie. Et voilà, dans la petite intervention que je vais faire, eh bien, je voudrais justement revenir sur un mouvement, peut-être qui est à l'instar de cette valeur de la solidarité, un mouvement politique, idéologique, mais aussi philosophique, le solidarisme. Je suis sûr que très peu d'entre vous vont être certains qui connaissent cette histoire-là et qui sont venus expressément parce qu'ils sont attachés à ce mouvement, mais pas que, en tout cas, je dirais, le citoyen lambda, le solidarisme, je connais Solidarność, mais le solidarisme, c'est parce que c'est. Or, c'était un mouvement très important, politique, idéologique, en France à la fin du 19e siècle, et je dirais même, c'est le mouvement qui est intellectuellement, idéologiquement, qui a préparé et qui permet même de comprendre et de fonder tout le système de solidarité qui s'est mis en place en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle le programme du Conseil national de la résistance, sécurité sociale, régime des retraites, etc. Mais tout était dans le logiciel du courant du solidarisme. Et donc voilà, je voudrais revenir simplement, peut-être évoquer dans un premier temps les figures de ce courant, qui est vraiment très intéressant et qui est tristement oublié, même si on y remédie un petit peu, il y a un très beau volume du philosophe Serge Audier, La pensée solidariste au PUF, qui a republié les textes de ses auteurs et les a contextualisés. Et donc on redécouvre un petit peu ce courant. Dans un premier temps, je vais assez rapidement vous rappeler un petit peu quelles étaient les figures et surtout les concepts de ce courant, le solidarisme. Je vous lirai quelques extraits de qu'est-ce qu'ils entendaient d'ailleurs par la solidarité concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire la solidarité? Concept très intéressant de quasi-contrat de la dette sociale, j'en dirai quelques mots, donc ça, ce sera dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'essaierai aussi de tirer un petit peu les fils philosophiques de cette notion. Et puis dans un troisième temps, son actualité, parce qu'il me semble que les idées du solidarisme ont une certaine actualité. À travers la question de la mutualisation des risques aujourd'hui, à travers la question de la solidarité non plus uniquement nationale, mais internationale, et même, je dirais, la solidarité de l'humanité à l'échelle planétaire, la solidarité cosmique, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui interdépendants sur la question de l'écologie, et donc il y a une solidarité nouvelle, une question de la solidarité. Allons-nous être solidaires de cette question-là, et comment ? Donc elle retrouve une actualité, et peut-être les idées du solidarisme peuvent retrouver un intérêt. Donc voilà un petit peu le déroulé. Suivez-vous, j'irai en un quart d'heure, 20 minutes, de sorte qu'on puisse, je l'espère, échanger après. Donc, mais premier temps, donc, le solidarisme, c'est quoi ce mouvement? Alors, ce mouvement oublié. Alors, le solidarisme, c'est, ça se passe en France, fin du 19e siècle, la Troisième République, à un moment où... en France, il y a un mouvement important qui s'appelle le radicalisme. Vous entendez parler des radicaux de gauche. Il ne reste pas grand-chose, mais le radicalisme, c'était un mouvement important. C'est des gens qui ont défendu Dreyfus, qui défendent l'éducation, l'instruction publique, qui ne sont pas vraiment des socialistes, mais qui sont ni des libéraux, mais qui sont les forces de progrès de l'époque. Ils viennent, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois des politiques. Je parlais dans un instant de Léon Bourgeois, qui fut ministre à plusieurs reprises, président du Conseil, qui a même eu le prix Nobel parce qu'il défendait l'idée d'une solidarité internationale. Et il fut d'ailleurs le premier président de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, à ce titre. Il a reçu le prix Nobel à ce titre-là. Donc ce sont des gens qui viennent en réalité intellectuellement, qui viennent de beaucoup des Saint-Simoniens, beaucoup de des gens qui défendent l'idée d'association. Dans la foulée de la Révolution française au XIXe siècle, l'association apparaît comme quelque chose une idée un peu révolutionnaire, et l'idée aussi que c'est comme si tout d'un coup, à la fin de la monarchie, on a abattu les rois, et donc la société découvre qu'elle a une capacité d'auto-organisation. Il y a une déclinaison libérale, de ça qu'on connaît bien, mais il y a une déclinaison associative. Et l'idée d'association, pour les Saint-Simoniens, c'est l'idée que la société, elle va se prendre elle-même en main.
Et que par ce biais-là, les individus vont découvrir qu'ils sont liés les uns aux autres, qu'ils ont un pouvoir grâce aux liens qu'ils peuvent former entre eux. Et ça, c'est les Saint-Simoniens, j'aime toujours bien, c'est un spécialiste des utopies saint-simoniennes, Miguel Alain-Binceau, qui racontait toujours ça quand il présentait un peu tous les courants. Il y avait des courants, ça, il y avait des fourriéristes, il y avait dans tous ces mouvements utopistes. Et les Saint-Simoniens, ils avaient l'idée que il fallait réapprendre le fait qu'on était liés les uns aux autres. Et alors, ils avaient des vestes qui se boutonnaient dans le dos. De sorte qu'on prenne conscience, chaque fois qu'on mettait sa veste, on peut demander à son partenaire de boutonner ou de déboutonner. Et donc ça faisait l'objet d'un apprentissage. C'est un peu ridicule, mais en même temps, c'est l'idée qu'on découvre, il y a quelque chose qui doit être redécouvert, c'est cette idée de l'association, d'une vérité de l'association, la loi de l'association. Donc ils viennent de là, ils sont aussi pour la plupart proches de Durkheim, de la sociologie, de l'idée que dans l'époque aussi de la Révolution française, que cette société qui a pris son destin en main, elle doit se connaître elle-même et qu'elle peut objectivement se connaître. Donc toute l'idée d'une science sociale, elle surgit à ce moment-là. Et donc il y a parmi les solidaristes des positivistes, qui considèrent qu'il y a vraiment des lois objectives de la société, il y en a qui sont plus inspiré par Emmanuel Kant pour dire que non, il n'y a pas de science de la société, mais peu importe. Voilà un peu le climat dans lequel ils sont. Alors, quelques figures intéressantes, avant que je vous donne quelques extraits de textes que je trouve ont une fraîcheur et un intérêt vraiment très grand. Alors, Léon Bourgeois, donc le fondateur du solidarisme, donc je l'ai dit, c'est un homme politique, il a été plusieurs fois ministre, président du Conseil, il a été, c'est intéressant, il a été renversé. Très rapidement, il était président du Conseil des ministres donc pendant un an, en 1895, et il était renversé sur une question décisive pour le solidarisme, qui était le premier projet de loi d'un impôt sur le revenu. Ça date de ces années-là. Ce n'était pas du tout évident que la fiscalité soit le levier avec lequel on allait assurer. C'est devenu pour nous totalement évident. C'est même un souci tellement... Mais pour chacun, chaque annuel, mais simplement, donc, il est tombé. C'est-à-dire le projet d'instaurer un impôt sur le revenu obligatoire n'est pas passé à ce moment-là, et il est tombé parce qu'il le soutenait. Je l'ai dit, donc, il a participé aux premières conférences de l'AE, déjà à l'époque, c'est à l'AE qui se passait les conférences internationales pour essayer de résoudre par le biais de l'arbitrage et d'avoir même une armée qui appliquerait les décisions. De cette Société des Nations. Il a été le premier président de la Société des Nations. Il a écrit un texte qu'il avait pour la Société des Nations, d'ailleurs. Et donc, il a reçu le prix Nobel. Et je voudrais juste vous lire, pour que vous ayez une petite idée de la manière dont il pense. Le bourgeois, il y a deux, trois idées. Il y a d'abord l'idée de dette sociale. C'est une idée, on pourrait croire, la dette, c'est une idée religieuse, nous sommes endettés, etc. C'est pas du tout d'un point de vue religieux, c'est l'idée que, en réalité, dans la vie sociale, quel que soit notre puissance, quelle que soit notre fortune, quelle que soit notre situation, en réalité, nous profitons, d'une manière ou d'une autre, nous profitons de la vie sociale. La vie sociale nous apporte des choses. Éducation, etc. Et donc, nous tirons de cette vie sociale, de la vie avec les autres, de la participation que nous faisons, de toutes les opportunités que la vie sociale en tant que telle offre, nous en tirons des choses qui nous permettent de nous développer, de nous enrichir. Et donc nous avons à cet égard-là une dette. La deuxième idée forte de Bourgeois, c'est un concept que je trouve très précieux, ils étaient tous un peu nourris par Jean-Jacques Rousseau, mais en même temps, ils disaient, bon, Rousseau, quand même, c'est... du contrat social, il y a jamais eu un moment donné où tous les citoyens sont réunis pour décider qu'ils allaient faire société. Et la société, elle a avant, elle existe avant tout. Et donc il a introduit un nouveau concept qui est l'idée du quasi-contrat. Alors c'est quoi le concept? Le quasi-contrat, ça existe aujourd'hui en droit civil. C'est l'idée que c'est, même si vous n'avez pas signé un contrat, c'est le contrat dont on se dit que auquel vous avez adhéré, compte tenu de votre comportement. On présume qu'il y a des choses que vous acceptez de faire, il y a des choses que vous n'accepteriez pas de faire, et que donc, dans toute la vie sociale, il y a
pas, non pas un contrat qui fait que vous avez décidé de toutes les choses contractuellement avec tous vos interlocuteurs, tout a été marqué, donc tout n'a pas été décidé, mais donc on peut essayer de mettre au clair sur le biais de quelles sont les présuppositions dont on peut se dire oui, ça il aurait accepté, ça il n'aurait pas accepté. Voilà. Et puis la troisième idée forte de Léon Bourgeois, c'est l'idée que d'une interdépendance, et à deux niveaux, la vie sociale elle est faite d'une interdépendance, nous dépendons les uns et les autres, le boulanger dépend de celui qui produit de l'agriculteur pour produire de la farine, dans la vie, c'est la production, nous dépendons, c'est la division du travail, mais au-delà de la division du travail, toute la société, toute l'architecture sociale, elle est faite d'une interdépendance. Et il dit simplement, le projet du solidarisme, c'est de faire en sorte que cette interdépendance qui est un fait, qui est une donnée, elle puisse devenir une volonté et qu'on puisse choisir le type d'interdépendance, qu'on ne la subisse pas uniquement comme un fait sur lequel on n'a pas de prise, qu'on puisse la vouloir. Donc il y a cette idée quand même, on n'est pas rousseauiste, mais on va essayer de s'approprier la réalité de cette interdépendance. Donc voilà, je vous lis juste quelques petits extraits, vous avez une petite idée de la proto. On aimerait bien avoir des politiques qui ont une intelligence comme ça, et c'était quand même un député, c'était un ministre, c'était pas profession de philosophie, Léon Bourgeois. Et pourtant, il écrit des choses remarquables, donc voilà, je vous lis ici. Donc là, c'est dans la solidarité, qui est un peu le manifeste du mouvement, il écrit ceci. L'homme vivant dans la société et ne pouvant vivre sans elle est à toute heure un débiteur envers elle. Là est la base de ses devoirs, la charge de sa liberté. L'obligation de chacun envers tous ne résulte pas d'une décision arbitraire extérieure aux choses. Elle est simplement la contrepartie des avantages que chacun retire de l'état de société, le prix des services que l'association rend à chacun. L'obéissance au devoir social n'est que l'acceptation d'une charge en échange d'un profit. C'est la reconnaissance d'une dette. Ou encore, voilà, ceci. Le contrat librement discuté et fidèlement exécuté de deux parts devient la base définitive du droit humain. Là où la nécessité des choses met les hommes en rapport sans que leur volonté préalable ait pu discuter les conditions de l'arrangement à intervenir, la loi qui fixera entre eux ces conditions ne devra être qu'une interprétation et une représentation de l'accord qui eût dû s'établir préalablement entre eux s'ils avaient pu être également librement consultés. Ce sera donc la présomption du consentement qu'aurait donné leur volonté égale et libre qui sera le seul fondement du droit. Le quasi-contrat n'est autre chose que ce contrat rétroactivement consenti. Vous voyez cette idée donc de, on ne peut pas tout anticiper à travers des contrats, mais on peut mettre au clair ce à quoi, rétrospectivement, on est d'accord ou pas de consentir. C'est un peu aussi, quand on parle aujourd'hui beaucoup du principe du consentement dans les relations conjugales, etc. Mais il y a des choses qui ne doivent pas être dans le contrat de mariage dont on sait que les individus ne peuvent pas y consentir, par exemple. C'est exactement la même idée. Et alors, voilà, peut-être, oui, ça c'est un dernier petit texte de Léon Bourgeois pour vous dire que les choses étaient aussi très concrètes dans son esprit. C'est la question de savoir, parce que évidemment, une des grandes discussions à ce moment-là, fondamentale, c'est de savoir est-ce que les sécurités que les individus, les solidarités, les mécanismes de solidarité que les individus vont établir entre eux, est-ce que ça va être un système d'assurance, je dirais mutualiste, c'est-à-dire où les individus s'assurent les uns les autres, ou est-ce que c'est système de retraite, plutôt le système de retraite, un système obligatoire, où l'État dit j'oblige tous les individus, pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde soit assuré, et donc j'oblige. Donc, il y a une discussion, donc finalement, Bourgeois, il a tranché en disant s'il n'y a pas une obligation, finalement, si c'est à la libre disposition des individus, il n'y a que ceux qui auront les moyens de s'assurer qui s'assureront, et on repart dans une solidarité qui est en réalité juste une assurance. On commence à comprendre, écrit-il, que pour que l'acte de prévoyance ne soit pas simplement un acte d'égoïsme et pour qu'il procure cependant au prévoyant lui-même la somme la plus grande de bienfaits, il faut que cet acte soit vraiment un acte de prévoyance mutuelle. C'est-à-dire qu'il comporte, suivant l'expression d'un maître de la santé économique, un sacrifice individuel en échange d'un avantage social.
Et l'on comprend par là même que l'acte d'assistance à son tour, pour n'être pas un acte d'impuissance et vaine charité, doit être étroitement uni à l'acte de prévoyance. Assister seulement celui qui ne peut pas être sauvé, c'est à la fois intelligent et inhumain, car c'est gaspiller sans résultat une part des ressources sociales, c'est attendre pour soigner le malade que le malade soit incurable. C'est avant la chute que l'homme doit être soutenu, c'est à l'effort de prévoyance que l'assistance doit être accordée. Oui, là, on a tellement la formulation stricte de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'idée que la santé est un bien commun et que c'est en mutualisant le risque que on crée le lien social. C'est pas uniquement une mesure sanitaire. C'est le contrat social passe par des prestations que les individus s'assurent les uns aux autres, et c'est par ce biais-là que le vrai contrat social, on a beau faire une constitution, c'est très beau, mais le vrai contrat social, il est dans ces prestations que les sociétaires s'accordent les uns aux autres. Ça rend très concret le contrat social, qui finalement est une abstraction, un document institutionnel. Voilà. Alors une deuxième petite citation d'une deuxième figure du solidarisme qui est très intéressante, qui s'appelle Charles Gide, c'est l'oncle d'André, l'écrivain. Charles Gide est un économiste, il est plus un intellectuel qu'un politique, lui. Il était très proche du mouvement coopératif, c'est le moment aussi toutes les coopérations se mettent en place. C'est des gens qui sont proches du protestantisme également, membres de la Ligue des droits de l'homme, etc. Il était professeur au Collège de France, et lui, je voudrais vous lire un très beau, très bel extrait, justement sur cette question de qu'est-ce que c'est que mutualiser. Alors, pour nous, la mutuelle, bon, chacun a le nom de sa mutuelle en tête, mais ça ne veut pas dire beaucoup plus. Bien, écoutons ce que dit Charles Gide de la mutualisation. Parce que derrière la solidarité, il y a la mutualité. C'est-à-dire, la solidarité, c'est la responsabilité que je prends, que nous nous donnons mutuellement, que nous assumons mutuellement les uns les autres. Donc, voilà, je vous dis ça sur Charles Gide, que je trouve très très beau, parce qu'il a une idée que de la mutualisation des chances et des malchances. Le contrat social est une mutualisation des chances et des malchances. La société des secours mutuels, et même le contrat d'assurance en général, la société de secours, pardon, n'est qu'une société d'assurance contre la maladie ou contre la vieillesse. Qu'y a-t-il de particulier dans cette forme de contrat? C'est qu'on n'y cherche plus des apports ni même la proportionnalité entre les apports et les avantages qu'on en attend. Ce qui caractérise l'assurance en général et la société de secours mutuelle en particulier, c'est que ce sont les biens portants qui payent pour les malades, les jeunes pour les vieux, les valides pour les invalides. Ce sont ceux dont la maison est sauve pour ceux qui ont été incendiés, ceux qui arrivent à bon port pour ceux qui ont fait naufrage ou ont été carbonisés dans leur auto ou leur avion. En un mot, ce sont ceux qui ont la bonne chance qui payent pour ceux qui ont la mauvaise chance. Il n'y a pas ici d'équivalence. Sans doute, pour que la société puisse vivre et demeurer, il faut bien que d'une façon générale, les versements concordent avec les indemnités. Mais individuellement, il n'y a aucune égalité cherchée, ni même attendue, entre le versement effectué et l'avantage reçu. C'est ici le plus haut degré du contrat, parce que c'est ici que la solidarité apparaît sous la forme la plus complète. Eh bien, la société future, celle fondée sur la justice, doit être non pas seulement pour certains risques, et dans son intégralité, une société d'assurance. La société doit être la mutualisation des risques. Nous sommes ici à ce degré supérieur, on ne cherche plus la justice dans l'égalité arithmétique des prestations, mais la justice dans la solidarité du bien et du mal. Et donc, il y a quand même une ambition très très forte, et en même temps quelque chose de très très matériel, c'est-à-dire que nous mettons en commun, sans calculer, c'est pas... Le principe de l'assurance, c'est bon, est-ce que je suis pas sûr que ça va coûter autant, et si j'ai un dégât des eaux, voilà, ça coûte vraiment cher. Donc là, je fais du calcul. Là, on est dans. Non, je ne calcule pas précisément, parce que je réalise de la mutualité. Et donc, c'est là où on en arrive, en un sens, après de ces figures et les conseils principaux du solidarisme, excusez-moi, je vais un peu tambour battant, c'est la dimension un peu philosophique de cette idée de la solidarité, de la mutualisation. Alors, on peut se dire, il y a une dernière figure qui nous permet de rentrer dans la dimension philosophique, c'est la figure de Marcel Beauce. Vous avez peut-être entendu parler de Marcel Beauce, qui est un anthropologue, qui est le neveu de Durkheim, qui est une figure très intéressante aussi de ces années-là, mais qui est très connu pour avoir écrit L'essai sur le don,
pour les formes de l'échange cognitif, qui était un essai qui a énormément compté, que Kim Lévi-Strauss considère que c'est l'acte de naissance de l'anthropologie structuraliste au sens large. L'idée de l'essai sur le genre, c'est d'abord, c'est en réalité, il recense une série d'enquêtes sur des ethnologiques, sur des sociétés, sur la manière dont l'économie circule, l'économie fonctionne dans les sociétés primitive à l'époque, et donc ça ne fonctionne pas au marché, on ne va pas échanger entre ou contre monnaie des biens, c'est des sociétés qui fonctionnent au don et au contre-don. Ce qui était fascinant, c'est que on se donne les choses, mais c'est un don obligatoire qui appelle le retour. Donc la question de pose, mais qu'est-ce qui fait que quand ils se donnent des choses, ils se sentent habités par l'obligation de rendre c'est quelque chose qu'on éprouve tous, c'est-à-dire si votre femme ou si votre fils ou votre fille vous fait un beau cadeau, il est plus ou moins entendu que vous lui ferez aussi un cadeau ou votre meilleur ami, il est plus ou moins entendu que vous lui ferez aussi un cadeau pour son anniversaire. Mais attention, dit Marcel Mauss, et vous pouvez prouver sans doute aussi, quand je rends un cadeau ou quand à mon tour je donne le cadeau, c'est pas un calcul, c'est pas un retour à l'envoyeur, il m'a donné ça, donc je lui donne ça. La scène de l'échange, elle est dotée d'une sorte de suspense, disait Mauss, où se rejoue quasiment constamment la société se rejoue, précisément parce qu'il s'agit de se reconnaître pour les protagonistes, et ils se reconnaissent à travers la scène de l'échange, ils se reconnaissent dans leur statut, dans leur fonction. Il y avait même une déclinaison que raconte Mauss particulièrement dramatique, où en réalité, il appelait ça le potlac, ou du nom d'un nom esquimau en réalité, pour dire circulation des choses, où on brûlait les choses, tellement c'était agonistique comme échange, on se mettait à brûler pour montrer qu'on était au-dessus des choses, et pour affirmer ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça, je suis au-dessus, donc je brûle devant toi, mais bien, je fais encore plus que te les donner. Et peu importe, Marcel Mauss, ce qui est intéressant avec cette idée de l'échange, pardon, c'est justement que il faisait comprendre qu'on n'est pas uniquement dans un système fonctionnel. Le marché, après tout, c'est un système fonctionnel qui permet d'évaluer la valeur des choses et de les échanger. Ça fonctionne assez bien, même s'il y a des biais, il faut bien entendu réguler tout ça, mais ça fonctionne assez bien dans cet objectif-là. Mais l'échange, pardon, ce n'est pas uniquement un système d'échange de biens ou de prestations, c'est aussi un moment où la société, en donnant, les individus se montrent, se donnent, se révèlent, et c'est la société qui se rejoue en permanence. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le solidarisme, c'est que pour eux, l'idée de solidarité, c'est pas uniquement assurer un fonctionnement social, c'est faire en sorte que l'énergie, que ça circule entre les membres d'une société, qu'il y ait un ciment à la fois moral, à la fois affectif, et une épreuve de ce que ça veut dire être l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, l'un lié, et faire l'épreuve de ce lien. Et c'est pour ça que c'était précieux, d'après Mauss, cette idée que le don, quand bien même je te donne un truc, tu me rends exactement la même chose, oui, mais entre les deux, il y a eu ce moment de risque, ce moment de mise à l'épreuve de la relation et de reconnaissance de ce que nous sommes l'un pour l'autre, qui est essentiel. Et ça, voilà, c'est la première dimension un peu anthropologique de la solidarité. La solidarité, c'est plus qu'un système fonctionnel pour se garantir des biens et des prestations, c'est un espace, une expérience vécue, une expérience du lien social qui permet aux individus de se reconnaître les uns et les autres dans ce théâtre de l'échange. Donc ça, c'était la dimension avec philosophique de la reconnaissance. Mais on peut même aller peut-être plus loin et dire, voilà, il y a un très beau texte sur ces questions-là de Paul Ricoeur, il disait, derrière l'idée de solidarité, derrière tous les mécanismes qu'on met en place, derrière l'idée d'un théâtre, de la reconnaissance, d'une circulation des choses, il y a quelque chose de plus fondamental qui est au-delà de la réciprocité, justement la mutualité. La mutualité, non pas au sens des mutuelles, un service, mais la mutualité au sens du fait que nous sommes des individus, la mutualité c'est l'un l'autre, l'un avec l'autre, l'un par l'autre. Et peut-être que c'était l'idée de la solidarité pour les... Pourquoi est-ce que Marcel Mauss dit à un moment donné,
on touche avec la solidarité ou avec l'échange, pardon, on touche au roc du lien humain. Le roc du lien humain, ça veut dire pourquoi est-il le roc ? C'est-à-dire que nous ne sommes pas des individus dissociés qui rentreraient dans un deuxième temps en lien avec les autres, c'est le contrat, la version de l'idée d'individus qui, dans un deuxième temps, sont des êtres du lien. L'idée de la solidarité, c'est peut-être que nous sommes, que nous devenons des individus dans et à travers la mutualité. Et ça, c'est un fil que l'on trouve dans, dans toute une... On peut lui donner une traduction, une explicitation philosophique avec la mutualité. Paul Ricoeur disa, il dira, soi-même comme un autre, traversé par l'autre. Lévinas, il ira encore plus loin, philosophe de l'éthique contemporaine, il dira, nous sommes par l'autre. C'est-à-dire que nous devenons nous-mêmes dans la responsabilité que l'autre, que nous avons vis-à-vis de l'autre, c'est en répondant à l'appel de l'autre que je suis moi-même. Donc il y a des déclinaisons plus ou moins fortes, plus ou moins dramatiques, mais donc il y a un fond philosophique très très puissant à cette idée de la mutualité. Voilà. Et puis, vite, excusez-moi, dernier, excusez-moi Jacques, mais dernier moment sur l'actualité de cette idée de la solidarité, comprise de manière un peu plus substantielle que simplement... compassion pour les déshérités. Son actualité, je dirais, il y a peut-être trois registres. Un registre, vous l'avez sans doute entendu, moi je suis belge, mais il y a un projet aujourd'hui en Belgique très intéressant. J'en parle d'autant plus, vous savez, que c'est mon paternel qui l'a soumis, les avocats, il était bâtonnier à Bruxelles, il est à la retraite aujourd'hui, et il a eu une idée, je trouve assez belle, de dire voilà, en Belgique c'est en cours de réalisation. Pourquoi est-ce qu'on a considéré que la santé était un bien commun qu'il fallait mutualiser et pas la justice ? Eh bien, aujourd'hui, les mutuelles en Belgique sont en train de mettre en place une mutualisation. Alors, elle ne sera pas obligatoire au début, là, les bourgeois n'étaient pas tout à fait d'accord, mais moyennant 50 euros par mois de cotisation, ça permettra à tout citoyen d'avoir trois contentieux portés en justice. Et tous les frais sont pris en charge. Alors qu'aujourd'hui, on sait bien que par rapport à tous les dommages dans le monde du travail, etc., la première inégalité, elle est évidemment sur ceux qui peuvent avoir recours à un bon avocat, qui peuvent avancer les frais de justice, qui peuvent... Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que la justice est un bien aussi important que la santé ? Et la voie pour résoudre cela, eh bien, c'est la mutualisation du risque au sens que lui donnait André Gide, c'est-à-dire non pas tout simplement d'une assurance, mais de dire « je prends sur moi » de considérer que mon concitoyen doit pouvoir avoir un accès à la justice pour être pleinement citoyen, c'est-à-dire pour être mon frère ou mon solidaire. Donc l'idée d'une mutualisation de la justice. Deuxième déclinaison qui signe, à mon avis, l'actualité de l'élection de la solidarité, c'est les projets, alors il y a des déclinaisons très 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 variables, d'allocation universelle, donc ça vous avez certainement entendu parler, l'allocation universelle telle que son grand concepteur c'est le philosophe Philippe Van Parijs, Philippe Van Parijs, sa grande idée, il le cite pas, je ne sais même pas s'il le sait, mais il dit, l'allocation universelle c'est une manière de mettre en circulation la dette que nous avons, c'est-à-dire il y a des individus qui profitent des opportunités que présente la société, et donc il n'y a pas de raison que tout le monde n'en profite pas, et donc c'est une manière de distribuer plus équitablement le fait que certains sont plus ou moins endettés par rapport à la société. Et puis je dirais la troisième déclinaison, je vais au pas de charge, excusez-moi, la troisième déclinaison, la troisième actualité de cette idée de la solidarité, eh bien il me semble que c'est évidemment l'écologie. De la même manière que Léon Bourgeois pouvait dire, il y a une interdépendance de fait des individus. Il faut que cette interdépendance devienne une volonté de dépendre de l'un de l'autre. Et parce qu'elle deviendra une volonté, elle va pouvoir faire l'objet d'être ciblée, être décidée, être organisée. Et bien de la même manière, on voit aujourd'hui que, je dirais sur la question de l'écologie, notre interdépendance est de fait. Nous subissons le fait que nous sommes interdépendants de notre gabegie et de notre usage de la nature. Eh bien, il faut la question écologique, c'est comment transformer cette interdépendance de fait négative avec la Terre en une interdépendance
positive. Et le moyen des solidarités, c'est-à-dire la mutualisation du risque, n'est pas une belle idée non plus, et pourrait peut-être inspirer des réalisations concrètes, pour le coup, sur le plan de l'écologie. Voilà, j'ai été un peu rapide, excusez-moi, et j'espère que en sortant d'ici, le solidarisme sera déjà un peu plus clair pour vous qu'en y rentrant. Merci de votre attention. Merci Marc. Bien, on a quelques minutes et si quelqu'un a une question, voilà, qui la pose. Non. Est-ce que le, en Belgique, il y avait une question quand même. Ah là, monsieur. Pourquoi vous réjouissez du temps de la mort des rois, alors que vous avez plein de pays qui les ont gardés, et sont, c'est pas pour ça qu'ils sont pas sociaux. Hein. Vous avez Louis XVI, il avait plus de pouvoir, pourquoi le tuer, faire des massacres comme ça, parce que c'est intelligent, franchement, vous avez dans le large, les Pays-Bas, l'Espagne, c'est le même vous êtes là. On dit hors sujet, monsieur. Je crois que vous êtes hors sujet. Alors, poser la question, est-ce que sur le modèle que ton père propose, on peut choisir son avocat? Ah, c'est une excellente question. C'est ce que les médecins ont exigé au moment de la création de la sécurité sociale, que la liberté de choisir son médecin soit absolument respectée, et bien entendu que la liberté de choisir son avocat serait respectée dans ces cas-là. Et d'ailleurs, les barreaux se sont engagés à faire en sorte que, de la même manière, on le sait plus aujourd'hui, mais les barreaux assurent ce qu'on appelle le prodéo, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas aujourd'hui accès à, pas le moyen d'avoir un avocat, mais c'est souvent des avocats stagiaires, mais les barreaux en Belgique se sont engagés à soutenir et à compenser s'il faut certains montants. Et donc, il y aura la liberté de choisir son avocat, sera maintenue que pour le médecin, c'est exactement le principe. D'accord, merci beaucoup. J'en profite pour vous remercier d'être venu, vous remercier le Théâtre de l'Œuvre de nous avoir accueillis. Et je vous informe que demain, il y a une journée sur les nouveaux visages de la censure qui se tient au FRAC, au Fonds Régional d'Art Contemporain. Peut-être à demain. Merci beaucoup.